quel taux d'imposition alors? Et donc, j'ai considéré, et j'en fais ici l'annonce, que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Autant il est normal d'avoir une progressivité, autant il est normal d'avoir un taux supérieur qui soit même au-delà de 40%. Mais autrement, l'image de taux confiscatoire sur une toute petite fraction des contribuables n'aura aucun effet, puisque alors là, on est sûr des effets de délocalisation et ne produira aucune recette. Vous avez peur pour Madame Bettencourt. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je préfère qu'elle paye ses impôts en France.